Bonjour, en tout cas, merci beaucoup de votre invitation, M. Benissou, l'invitation de CRU. Ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas parce qu'il y a une sympathie. Ça ne se refuse pas non plus parce que je crois qu'il y a quelque chose de particulier. C'est vrai que depuis 2-3 ans qu'on se connaît, j'éprouve un certain attachement à la CDI, effectivement peut-être, mais au-delà, parce que je crois qu'il y a quelque chose de particulier qu'on trouve moins dans d'autres associations du secteur social et médico-social, et que je voudrais un peu évoquer devant vous ce matin. Alors c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est dit, ces témoignages, ces vécus, ces paroles très, très fortes, émotionnellement, affectivement, je prends un peu de distance, un peu ma posture de sociologue, d'essayer de comprendre pourquoi cette idée particulière, née il y a 40 ans, de quelqu'un qui a voulu créer un espace particulier pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir leur autonomie de gestion, séparée finalement de la prise en charge éducative, pourquoi cette belle idée, 40 ans après, est toujours vivante et se poursuit. Et je pense que l'un des éléments de réponse, il est là aujourd'hui. Devant nous, dans le sous-sol, la salle d'à côté, nombre de personnes ne sont pas là simplement pour se réunir, faire plaisir, rendre compte, fêter, mais peut-être aussi pour illustrer le cheminement de l'association depuis 40 ans. Qui êtes-vous? Vous êtes d'abord des personnes en situation de handicap, dont l'autonomie doit être protégée, soutenue, rendue possible. Ce sont aussi des parents et des amis, attentifs à leur situation, attentifs aux moyens dont ces personnes disposent pour exercer précisément leur autonomie, exercer leur liberté de choix. Ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure, soyons attentifs à ces moments où réellement un choix est possible, qu'il ne soit pas évacué par d'autres éléments que simplement ça. Il y a aussi des professionnels délégués pour cette mission de protection. Il y a des associations, partenaires, relais locaux, territoriaux, qui sont des étayages collectifs sans lesquels l'association ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas, pas de cette manière-là. Et puis, il y a des pouvoirs publics en charge de la politique publique de la protection. Et puis, il y a ces deux personnes qui ont fait tout à l'heure éruption, qui m'ont permis peut-être aussi de prendre un peu de distance, de prendre les choses avec plus d'humour, d'être décalé. Je pense que le décalage, à certains moments, quand il est vrai, quand il est juste, il est salvateur, il est émancipateur, il est libératoire. En tout cas, merci. Je crois que c'est aussi ce moment, cette capacité à être un peu en décalage que la TDI produit, qui permet tout à l'heure un tas de choses importantes. Donc ce qui se donne à voir aujourd'hui, dans cet anniversaire, je pense, c'est l'histoire d'une association qui s'est construite grâce à ses multiples étayages, grâce à ses multiples relais. Et je parlais d'intermédiation pour montrer non pas simplement qu'il y a juxtaposition d'acteurs, toutes ces personnes, juxtaposition de logique, de préoccupation, mais vraiment d'interconnexion, de traduction d'une logique à l'autre, d'une préoccupation à l'autre, pour faire émerger un bien commun. Et le bien commun, il est tout au long de cette journée, ce fil particulier, qui est celui de prendre soin de la personne en situation de difficulté et de handicap. Je crois que ce bien commun, c'est peut-être ça qui permet cette médiation entre des logiques, entre des intérêts très différents. Et c'est peut-être ça l'une des particularités de l'association. Deuxième point fort que je voudrais souligner, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de croiser des regards. Les regards sont opérants s'ils sont aussi croisés et changés des postures. Et je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas seulement des regards qui changent, ce sont des postures qui se modifient. Ce sont des modes de relation, ce sont des, dans mon jargon à moi, j'appelle des rapports sociaux différents qui permettent à ces personnes de vivre de leur autonomie. Alors à titre d'exemple, je pense que la TDI permet un certain nombre de choses. Certes, tout n'est pas rose, tout n'est pas idéal, on n'est pas dans un monde bisounours. On l'a pu l'entendre quand j'ai pu
rencontré la TDI il y a 2-3 ans, me semble-t-il. J'ai entendu des choses difficiles, des choses fortes, hein, des revendications qui s'exprimaient, des souffrances aussi par moments, mais aussi des points forts. Et je voudrais un peu en évoquer quelques-uns, me semble-t-il. C'est d'abord commencer à questionner les pratiques professionnelles par l'expérience pratique des usagers. Et je crois qu'on a un bel exemple tout à l'heure de, par ces petits films où la parole des personnes, fut-elle critique, encore, et ce ne sont pas beaucoup exprimés de manière critique, mais aussi la critique est importante. Il faut pouvoir les entendre et en effet questionner les pratiques professionnelles, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir tout court, par ces expériences concrètes. Il s'agit aussi d'articuler l'expérience multiforme des intervenants et l'engagement à différents niveaux des espaces institués dans l'espace public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand on est quelque part partie prenante, porte-parole dans un espace de délibération publique, avec les pouvoirs publics, à négocier, eh bien que cette parole, je veux dire, de, comme on dit, de terrain, ce vécu subjectif, puisse alimenter cette réflexion de coordination à un niveau institutionnel. Et on entend souvent des décalages importants entre ce qui se dit à ce niveau de politique, à ce niveau de négociation, avec la réalité très concrète. Et faire le lien, c'est l'un des points forts de l'association. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de multiples parties prenantes dans cette association et qu'il n'y a pas que des professionnels. Et puis enfin, hybrider des ressources économiques différentes. On le sait, évidemment, on a des ressources de la redistribution. Certes, elles sont très contingentées actuellement. Des ressources marchandes, il ne faut pas non plus avoir peur de faire appel à ce marché. Des ressources, je veux dire, de bénévolat. Je pense que, inutile de le rappeler, mais en général, on valorise économiquement le bénévolat en l'ajustant par le SMIG, mais c'est évidemment dévalorisant. Parce que bon nombre de bénévoles viennent au titre, ils apportent leurs propres compétences. On voit bien le discours de la présidente, le discours de telle ou telle personne, a besoin d'être pris en compte aussi au niveau économique. Alors une quatrième idée qui m'a paru intéressante à la TDI, c'est que c'est une petite association. Elle n'est pas prise par le tourment de gagner des parts de marché. Elle n'est pas prise par la volonté de grossir. En tout cas pas aujourd'hui, on verra dans 40 ans. Elle n'est pas non plus, c'est pas son rôle, d'être dans le contrôle, c'est l'ordre des poids publics que de contrôler. Et donc elle est dans cet entre-deux. Et c'est ce qui fait sa force, me semble-t-il, et en même temps, sa capacité à mobiliser ces fameuses logiques dont on parlait tout à l'heure, à mobiliser sur un territoire des démarches participantes, partenariales, pour faire émerger, encore une fois, un bien commun, qui est celui de prendre soin des personnes, leur protection. Et je pense que le récent travail que vous avez fait avec le RIOPS, hein, sur les territoires, est un bel exemple de cette capacité. Il n'y a pas d'autre association qui serait plus forte, qui aurait pu le faire. Une association plus importante serait suspectée de vouloir grignoter quelque part. Non, je pense que ces petites associations, comme l'a été dit, sont fortes de leur capacité partenariale, de leur capacité, mais aussi critique. N'oublions pas que la TDI est créée, a été lancée sur une critique pratique, concrète, mais aussi structurelle. On y reviendra. Donc on est dans l'entre-deux, et c'est précisément cet entre-deux qui me semble être un levier important dans ce monde aujourd'hui, où on a un modèle de l'entreprise libérale, hein, qui se déploie dans tous les domaines, y compris dans la fonction publique. On connaît aujourd'hui les effets pervers de ce new public management, de cette capacité à transposer dans l'action sociale des pratiques managériales dont on sait aujourd'hui qu'elles ont des effets néfastes. On sait le burn-out, que ces pratiques... Et on voit aujourd'hui l'État, c'est bien l'État dans sa sphère politique qui reprend ces domaines et ces dommages. On n'est pas non plus dans le domaine, je veux dire, c'est dans cet entre-deux, entre l'entreprise et la fonction publique, que l'association trouve sa raison d'être, à la fois dans sa capacité à coopérer intelligemment,
faire des alliances, mais en même temps une capacité critique, hein, de pouvoir non pas critiquer des personnes, mais critiquer des logiques qui sont à l'œuvre et qui, quelque part, traversent ces administrations. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que la TDI participe de ce modèle qu'on a pu observer dans bon nombre d'associations, dans nos recherches. On récuse à la fois les modèles dominants, dont je parlais tout à l'heure, car s'ils sont inscrits, finalement, dans une volonté d'instrumentalisation des associations et de leur opérationnalité. Alors, quelle serait, et c'est ma dernière réflexion, quels seraient alors les traits d'une action et d'un fonctionnement associatif qui pourraient s'inscrire dans cette coopération critique avec les pouvoirs publics? Encore une fois, critique pour prendre conscience des attachements paralysants. Donc critique pour émanciper, pour se libérer, pour finalement trouver une capacité d'autonomie, non pas dans l'isolement, mais précisément dans la diversité de ces relations. En première piste, je vous la livre un peu comme ça, ce serait explorer, hein, poursuivre à explorer les voies de démocratisation de l'action sociale, qui aujourd'hui, je veux dire, est captive de l'expertise en tout genre, hein, expertise professionnelle, l'expertise gestionnaire aussi. J'ai eu l'occasion tout récemment d'accompagner une association du secteur médico-social dans le cadre d'un CEPOM. C'est surprenant la manière dont l'ANAP impose, je veux dire, des normes, des chiffres, des grilles qui sont complètement neutralisantes et qui sont complètement négatrices finalement de l'opérationnalité des associations. Action publique est aussi rétive d'une certaine manière à la participation des usagers, mais au-delà aussi des citoyens. Certes, il y a un sociologue qui est bien connu, qui parle de cage de verre, pour parler des politiques publiques comme autant d'appel au partenariat, appel à l'évaluation, appel à la transparence, mais cette cage de verre, malheureusement, elle est aussi liée à une cage de fer, dit-il. Cage de fer de la gestion par les normes, de le rétrécissement des capacités initiatives, etc. Donc, explorer les voies de cette démocratisation par la participation plus grande des usagers et des citoyens. Orienter les pratiques professionnelles vers le développement du pouvoir d'agir de leurs destinataires. C'est vrai que, et Madame la Présidente, vous le rappelez tout à l'heure, vous êtes peut-être trop sensible sur les limites des personnes et pas assez sur leurs capacités. Et je crois que cette dynamique du pouvoir d'agir qui est développée dans d'autres secteurs, en particulier, je pense, les secteurs de l'éducation populaire, je pense que le secteur médico-social et les professionnels du secteur gagneraient, me semble-t-il, à faire peur cette dynamique-là. Comment développer les capacités d'agir des personnes et pas simplement de résolutionner les problèmes. Briser, toujours dans le thème de la démocratisation, briser le plafond de verre qui assigne les destinataires, donc les usagers, à des instances formelles de consultation, hein, pour leur ouvrir l'accès et leur participation à la gouvernance des associations. Je suis frappé combien les conseils de la vie sociale existent formellement, mais finalement peu de représentants des usagers accèdent aux administrations, aux bureaux, etc. Je pense qu'il y a une espèce de plafond de verre là, qui, dans un certain nombre d'associations, gagnerait, me semble-t-il, à être soulevé ou en tout cas interrogé. Deuxième direction, soumettre les dynamiques institutionnelles des associations à la double épreuve de réalité. Prendre le risque que la réalité interroge. Est-ce que la réalité de l'association est-elle ce qu'elle énonce? Et on l'a vu il y a quelque temps, combien un travail d'évaluation, de diagnostic permet précisément de faire émerger des questions de la réalité des gens et qui ne se poseraient pas autrement.
prendre en compte aussi l'expérience subjective des personnes. L'association prend-elle en compte les aspirations des usagers, des professionnels et des bénévoles? Donc autant de pratiques concrètes, d'interrogations qui, à travers l'évaluation, le diagnostic ou d'autres formes, permettent précisément de soumettre des dynamiques institutionnelles qui ont ceci de particulier de fermer les choses. Questionnons-les pour qu'elles ouvrent, quels sont les leviers, quels sont les appuis et non pas des modes d'enfermement. Et pour ça, investir, je l'ai dit tout à l'heure, les pratiques éducatives et réflexives. Mais interroger aussi les fonctions dirigeantes. Aujourd'hui, Max Weber disait qu'il y a l'autorité charismatique. On pourrait mettre des noms ici. Il y a aussi l'autorité, je veux dire, paternaliste. Il y a aussi l'autorité, je veux dire, fonctionnelle de celle qui applique la règle et qui a le souci. Mais il y a aussi une autre autorité, qui est celle de faire émerger le bien commun, de cette capacité à faire travailler des gens de différents horizons, de différentes logiques autour d'un bien commun. Donc c'est plutôt une autorité de mise en accord, de recherche de compromis, qu'une autorité qui impose au nom d'une loi. Réarmer, ce sera mon dernier point, réarmer la critique associative sur le managérialisme et la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans bon nombre d'associations du secteur médico-social et social, on parle de performance. On parle de performance sans forcément y mettre un contenu précis. Donc une fois, je regardais le site de l'ANAP, c'est étonnant. Étonnant de la manière dont la performance, d'une part, n'est pas précisée, n'est pas articulée au bien-être des personnes, n'est pas articulée à cette bien-traitance que par ailleurs d'autres agences comme l'ANEMS développent. Mais on voit bien que cette emprise managériale de la performance est de plus en plus forte sur vos associations. Donc il faut la critiquer. Donc on ne peut non pas la critiquer au nom de corporatisme, je crois qu'on n'a que faire de cette question, mais au nom du bien-être des personnes, au nom de ce bien commun que vous défendez. Et je pense que cette critique-là, elle est tout à fait légitime et elle est souvent partagée avec les pouvoirs publics. J'ai entendu tout à l'heure Madame la conseillère départementale qu'elle avait ce souci d'interroger ses politiques et dispositifs pour faire en sorte d'être attentif à ces moments particuliers où la personne a réellement le choix de pouvoir décider ce qu'elle souhaite. Enfin, élaborer avec les parties prenantes des indicateurs socio-économiques, et pas seulement sociaux, des indicateurs socio-économiques du bien-être sur un territoire, à partir de l'expérience en vie. Et vous savez tous ce que c'est que l'expérience en vie, c'est de prendre le point de vue du handicapé et de voir la société à partir de ses yeux à lui, et non pas à partir de son yeux à nous. Et ça renverse complètement les choses. Et on voit que finalement, être dans un fauteuil, avoir la vision de quelqu'un en fauteuil n'est pas la même que celui qui est sur une chaise, qui est sur une estrade comme nous. Donc c'est bien cette capacité de renverser les choses, de renverser les points de vue, qui permet peut-être d'imaginer, d'explorer des pistes. Alors, en cet anniversaire de 40 ans, mon vœu, c'est que, oui, multo sanos, hein, comme on dit, de nombreuses années encore, de venir garder ce qui a été, me semble-t-il, le cœur de votre démarrage et de ce qui a été, me semble-t-il, tout au long de votre histoire, capacité d'action, d'imaginer, partenarial sur un territoire, de proposition à tous les niveaux, en articulant ces niveaux subjectifs et politiques, mais en même temps capacité critique, précisément pour défaire ces prénotions, ces conceptions qui aujourd'hui sont à l'œuvre un peu partout et qui se nomment managérialisme néolibéral. Gardez votre capacité critique au nom précisément de ce bien-vivre que vous êtes à même de pouvoir promouvoir auprès des personnes et avec les personnes. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci de cette invitation et poursuivre encore une belle aventure qui n'est pas terminée.